Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre une intro dans un circuit Trackmania que vous avez créé vous-même. Donc là maintenant je vais le créer avec vous. Donc c'est parti, hein. Qui départ, une route, des routes qui tournent. Alors, des obstacles, toujours bien dérangeant ça. Ah bon, faut qu'après je réussisse moi aussi à le faire. Je vais mettre un petit saut. Alors, après mon petit saut, qu'est-ce que je peux encore mettre? Je vais mettre une petite route qui monte. Non, un checkpoint qui monte. Voilà. Après, des vitesses. Puis après, je vais être assez méchant. Je vais... Voilà. Et je vais faire un tournant assez short. Voilà. Alors, après, ce que je crois que j'ai pas encore mis dans les autres vidéos, c'est des loopings, tout ça, que je vais aussi sûrement expliquer pourquoi les mettre et tout ça. Bon, là, je vais un peu direct vous expliquer pourquoi je les mettre. Alors, tout d'abord, moi je fais toujours ça parce que bah, j'adore les loopings et tout ça. Donc, en fait, je trouve que c'est vraiment super sympa de faire des loopings parce que y a moyen de changer aussi la vue, que je vais aussi expliquer dans d'autres vidéos. Non, voilà, moi j'adore les loopings, je trouve ça super marrant. Alors après, des petites vitesses, des petits zigzags. Voilà, et on met un point de fin pour le tester. Alors après, ce qu'il faut faire pour une intro, en fait, c'est super facile, parce que c'est lui qui gère tout. Donc, ce qu'on fait pour une intro, on se met sur le circuit, et on doit faire ici, entrer en mode replay. Après, on arrive sur ça, et il va dire intro pendant le jeu fin de course. Alors, on fait éditer, et il leur dit, vous devez d'abord enregistrer un ghost pour le Media Tracker. Ça, c'est toujours. Donc, vous devez enregistrer le ghost. Donc d'abord, allez, on enregistre le ghost. Et si vous voyez, j'ai une voiture assez stylée. Ah non, j'ai pas fait de vitesse là. Attends, je retourne les vitesses, je vais mettre quelques vitesses ici. J'ai remarqué que j'en avais pas assez. Voilà. Attends, enregistrer un ghost. Voilà, donc j'ai enregistré mon ghost pour le Media Tracker. Donc voilà, je vais enregistrer mon ghost. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est faire une intro. Alors une intro, voilà, j'arrive sur ça. Comment est-ce que je peux vous expliquer? Donc en fait, là maintenant l'intro, il n'y aura vraiment rien. Donc, alors, pour commencer, ici, il faut choisir une caméra personnalisée. Donc il va choisir une caméra lui-même. Donc là, il ne va rien faire. Alors, pour faire ça, pour une caméra personnalisée, d'abord, il faut faire afficher la timeline complète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, après qu'on ait fait ça, on doit d'abord, alors après, choisir une clé. Donc choisir une clé, en fait, c'est pour choisir où est-ce qu'on se place. Donc en fait, pour déplacer, voilà, il faut faire le clic droit de la souris. Et alors, quand on a fait le clic droit de la souris, on peut choisir où on vise, et puis après, avec la flèche, on peut zoomer. Donc là, moi, je vais aller me mettre comme ça ici. Comme ça, la vidéo va commencer là. Et alors, voilà.
Si j'ai envie de me mettre près de vitesse, je me mets là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer là-bas, comme ça ici. Comme ça, maintenant, si je fais play, ça, elle va commencer ici, mais elle va partir vers l'arrière. Vous voyez, ça peut être fini comme intro. Alors après, on peut aussi choisir le ton de l'intro, ça c'est ici. Et le moins, je crois que je vais mettre genre 5 secondes. Alors, quand je vais mettre 5 secondes, ce que je fais, c'est que on peut, comme je vous l'ai dit, insérer des piliers. Alors ça c'est le début, après on peut voir comme ça, jusqu'où ça va. Mais moi j'ai pas envie que ça aille comme ça. Donc moi j'ai envie que ça aille ici. Attends, il faut d'abord toujours faire afficher la timeline complète quand on a changé de temps. Hein. Donc hop, et j'ai envie que ça aille là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, insérer une clé. Je vais de nouveau déplacer ma caméra. Alors, après je me mets ici si j'ai envie. À l'arrivée. Alors je peux encore ici entrer encore une autre clé. Donc je repasse par ici. Puis après faire ça. Puis après je peux encore insérer une clé où je montre tout mon truc. Alors et après, ici, ce que je fais, c'est que je me mets là et j'insère encore une clé. Ah non, il y a une clé. Alors ce que je fais, c'est que je vais ici. Je fais insérer une clé et je vais me mettre au point de départ. Parce que j'ai envie de me mettre au point de départ. Voilà. Et puis après, j'aurais fait ça. Et donc, si je regarde depuis le début ce que ça va faire ça. Hop, ça va dézoomer et repartir par là, faire ça et partir vers le début. Donc voilà. Comme on voulait. Je vais voir si je fais déplacer la clé. Voilà, j'ai déplacé la clé le maximum. Donc on peut une fois revoir, mais on peut aussi voir au ralenti. Donc ça donne ça. Hop. Mais moi, regardez, là il y a un bug. Ça passe à travers le tournant. Donc moi, ça j'ai pas envie. Genre ici la clé, je vais devoir la changer de place. La mettre plus vers la gauche. Et un peu reculer. Voilà. Donc ma clé sera changée et donc ça va donner ça. Vous voyez, je place plus à travers maintenant. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, maintenant, j'ai fait ça. Et j'ai mon intro, ou je le fais en slow motion, ou je le fais en vrai comme ça. Hop. Il dézoome et il repart vers l'arrivée. Et ça, c'est la fin. Donc voilà, comme ça, vous savez comment on fait une intro. Après, vous pourrez encore ajouter du texte et plein d'autres choses. Mais ça, je vais vous expliquer dans la partie 2 de la vidéo. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie. À bientôt.